aventuriers et aventurières, on espère que vous allez pas bien, mais... super bien. Aujourd'hui, comme toujours, je suis encore et toujours avec mes deux aventuriers préférés. Chef Brahim et chef... Sabria, chef Sabria. Aujourd'hui, ce sont des chefs. Pourquoi les enfants? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On est où? On est à la cuisine de notre maison. Et on va faire des crêpes et des gaufres. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est février et en février, il y a la Chandeleur qui est déjà passée, il me semble, début février. Et le Mardi Gras. Mardi Gras, voilà. Donc, on va faire des crêpes et des gaufres. Pour les crêpes, je vais garder ma recette parce que je les aime et qu'on a l'habitude de les faire. Et je pense que c'est Sabria qui va les faire. Et pour les gaufres, c'est notre chef Brahim qui va les faire avec la recette de Hervé Cuisine. Je pense que vous le connaissez tous. Ces recettes, elles sont vraiment inratables. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien de sa recette dans le descriptif de la vidéo. Voilà, Brahim, qu'est-ce qu'il va te falloir pour les gaufres? 160 g de farine, 4 œufs, 200 ml de lait demi-crémé ou lait végétal, un sachet de levure chimique, une cuillère à café d'extrait de vanille, liquide poudre ou un sachet de sucre vanillé, quatre cuillères à café d'huile de tournesol ou de pépins de raisin au coco ou du beurre fondu. Voilà. Une pincée de sel pour terminer. C'est par là, c'est bon, on est ok. Est-ce qu'on a tout? On a tout. Oui. C'est ça, on a tout. Et pour les crêpes de Sabria, il va nous falloir des œufs. C'est moi qui ai ma recette. Hein. Du sucre, un petit peu de cannelle et du lait. Et après, on sera bon. Et de la farine, bien évidemment. Je sors la cannelle. Yes. De la cannelle. Et on est bon. C'est parti, les enfants? Oui. Let's go. Alors, on va les faire en même temps, je pense, les recettes, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Brahim, il va faire dans l'ordre. C'est écrit à côté de la recette. Je vous mettrai le lien. C'est là, hop. Je vous mettrai le lien de la recette. Inratable. Il y a plein d'autres recettes que vous pourrez piquer, comme les pancakes, par exemple, et d'autres. Et Sabria et moi, on va faire ma façon à moi. À ce stade là, bon, je peux fermer. Ouais, tu peux. Combien de secondes hein? Mets-le 20 secondes. Bon. Regardez la pâte, elle est dure. Enfin, elle est dure. C'est vraiment comme une pâte à pain en fait. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai compris qu'il fallait faire les crêpes de cette manière là, du moins depuis des années. Elles sont inratables et il n'y a pas de grumeaux. D'accord? J'avais mis déjà la recette de mes crêpes magiques dans mon Snapchat. Voilà, donc du coup, là, elle est toute, voilà. On va rajouter donc le lait. Ok, ce sera... Moi, je mélangerai avec... Doucement, ça va bien. Je pense que c'est bon, Brahim, c'est tiède. Donc, Brahim, il va rajouter le lait tiède au fur et à mesure. Ah, je mets pas d'un coup? Ben, lis la recette, Brahim. D'accord. Légèrement, tiède progressivement. Nous, on rajoute du lait progressivement, pas d'un coup, hein, progressivement. Comme je vous avais dit, la pâte, elle était épaisse. Je peux ranger avec ça? Il faut appuyer. Ouais, attends, je vais passer les miens parce que l'autre, je l'ai cassé sans faire exprès. D'accord. Et on tourne progressivement. On rajoute encore le lait. Et là, attends, ça va être... Là, c'est bon pour moi. Ouais, là, ça va être bon pour toi pour tourner. Et après, je vous montrerai qu'il y a zéro... Grumeau. Il y a zéro grumeau. Vas-y, ça va, tu peux tourner. Du coup, le petit fouet. 2 secondes, Brahim, on va s'occuper de toi. Merci.
Voilà, on va ajouter encore un peu de lait parce qu'elle est trop épaisse. Voilà, moi je mets uniquement farine et œufs, 2 œufs ou 3 œufs si vous voulez, de la farine, ça devient de la pâte. Vous la malaxez avec le fouet autant que vous pouvez. Ensuite, sucre, cannelle. Et ensuite, du lait progressivement. Et là, je vais vous mettre la louche. La louche, si elle veut bien coopérer, ma louche. Regardez. Zéro aucun grumeau. Zéro grumeau. Voilà, elle est inratable. Les enfants peuvent la faire en 5 minutes. Elle est vraiment inratable. Vous la mettez les ingrédients vous-même. Et après, voilà. Donc là, pâte à crêpes de Sabria. Elle est OK. On a la machine à crêpes derrière. On va faire le branchement et on va envoyer les crêpes. Mais d'abord, on finit celle de Brahim. C'est parti. C'est bon? Allez, Brahim, c'est à toi. Tu dois rajouter le lait progressivement que tu as tiédi. Tu as mis combien? 200 ml? Oui. Voilà. Et tu dois donc tourner... Aucun crémeau, que ouais. De la pâte. Ouais, que de la pâte. Zéro grumeau, hein, vraiment. Je vais tenter de vous montrer après de vraiment de dedans, de devant la pâte. Et vraiment zéro grumeau, elle est inratable. Et franchement, avec 4 ingrédients, on est bon. 4 ingrédients, le lait, la farine, les œufs, le sucre et la cannelle. Pas du tout. Tu t'en sors, Brahim, tu t'en sors? Bien évidemment. Vous voyez les petits. Allez, c'est parti. On touille. Une pâte bien lisse, sans grumeaux, t'es censé obtenir, Brahim. C'est bon. On touille. J'espère que c'est moi qui vais le faire. Parce que... À l'ancienne, je l'aime trop, mon batteur à l'ancienne. J'ai le robot pour faire. Avec le grand truc, mais dans un premier temps, je n'ai pas envie de le sortir, et dans un deuxième temps, je préfère à l'ancienne. Voilà. C'est bon, Brahim? Ben là, je pense que c'est nickel. Donc là, on va laisser la pâte se reposer pendant 30 minutes, d'accord? Oh, ouais. C'est trop. Non, c'est trop. Franchement, elle m'a l'air plutôt pas mal. Allez, on la laisse se reposer. Comme vous voyez, aucun grumeau. Ça peut être bon pour les enfants qui n'aiment pas les grumeaux. Ceux qui aiment bien les grumeaux, et ben. Brahim, là, je te laisse battre. On fait une pause pour battre les blancs en neige. Nos aventuriers. Étant donné qu'il fallait 30 minutes de pause pour la pâte de. Brahim, du bloc de chef Brahim. L'appareil ici, on attend. Là, on va s'occuper des fameuses crêpes de Sabria. Donc, on va d'abord lui attacher les cheveux quand même. J'ai pas envie de manger des crêpes aux cheveux. Et voilà, donc sa pâte, je vais vous la montrer. Elle est vraiment nickel. Magnifique. Voilà. En plus, pas du tout de grumeaux. Hein. Ça, c'est sûr. Encore une fois, hop, regardez, elle est là. Zéro grumeaux. Elle est inratable. Voilà, je vous mettrai la recette en lien. En lien, non, je vous la mettrai en écriture. Vous pourrez la capturer dans le descriptif. Voilà. Donc, en général, les gros appareils comme ça, il n'y a pas besoin de les mettre des matières grasses. Mais moi, j'ai envie. Parce que, sait-on jamais? On sait jamais. Oui, on peut dire aussi, sait-on jamais? Luc, un là, petit peu de sopalin. Ah, mais si on n'allume pas aussi, ça risque pas de chauffer. C'est ça. Bon, bien évidemment, les enfants, ne vous aventurez pas à tester un appareil comme ça sans les parents à côté. D'accord? Oui. C'est dangereux. Tu te brûles un doigt, tu finiras comme ça, rien. Concernant le blanc, je fais une bifurcation sur la recette de Brahim, les blancs en neige. Ils sont bien en neige, voilà. Il est battu avec le batteur. Et là, on attend les 30 minutes de pause. Il reste 5 minutes de pause et après, on est bon. Bon, lui, il va chauffer ou pas? Alors. Faut que tu ailles un petit peu plus fort sur la température. Arrête. Faut que tu mettes doucement. Arrête, mon doux. Je peux pas, non. Là, je peux pas dire ça dans la vidéo, mais non. It's not possible. Comment il s'appelle le monsieur là qui fait des. Ce n'est pas moi, it's not me. Ce n'est pas moi, it's not me. Il s'appelle. You. Moi. Me. It's not me, ce n'est pas moi, it's not me, ce n'est pas toi, it's not you. You. Toi.
You. Moi. Me. Comment elle s'appelle? Henry Teacher. Eh, vous avez dû tous le voir passer ce professeur d'anglais. On lui fait un clin d'œil. On l'adore. On l'adore, on a pu échanger avec lui, il est génial. Voilà, voilà. C'est bon, je crois que j'ai fini là de faire le didier. Alors, je mets ma petite louchette. Ma petite louchette. À l'intérieur. Ensuite, je mets ça encore. Et là. Non, Sabrina, tu crois que c'est pour laver les vitres? Non, t'inquiète, t'inquiète, je sais faire. Non, attends, je vais te guider, s'il te plaît, parce que là, la pâte n'en plus. Comme un stylo, comme un stylo. Je pourrais le faire après, mon petit cœur. Non, Sabrina, comme un stylo, on a dit. Vous allez faire n'importe quoi, il y aura des trous dans la crème. Bon, à savoir, petit clin d'œil, l'appareil n'est pas bien chaud. On va quand même réussir à faire quelque chose. Une crêpe? Je suis une spécialiste des crêpes avec les appareils comme ça. Pourquoi? Parce que dans mon enfance, j'avais travaillé dans une boulangerie. J'avais conseillé, je vous raconte ma vie. J'avais conseillé au nouveau patron qui avait repris la boulangerie où je travaillais d'acheter un appareil professionnel à crêpes et d'en faire devant sa boulangerie. Et il m'avait écouté et il avait fait un carton dans la ville où j'habitais à l'époque, à Arles, ville que j'adore, que j'aime. Voilà. Et petit clin d'œil à Arles. Voilà, parce que mes enfants, ils aimeraient bien habiter à Arles. Ben oui, on si des fois, le papa, il regarde la vidéo. Hein? On veut retourner vivre à Arles, nous. Ouais. Donc, du coup, voilà, je lui avais dit d'acheter un appareil à crêpes professionnel pour faire des crêpes et faire un petit stand devant sa boulangerie. Il m'a écouté. Et ça a fonctionné, il avait fait un carton. Non, t'as mis juste à côté, là-bas, pour faire les trucs. Oui, mais elle est trop grosse, la spatule. Ceux qui utilisent ça, moi, j'aime pas l'utiliser. Je pense plus que c'est une épée ou un truc pour mettre une des sabots. C'est une sabote. Des bonnes. Moi, j'aime bien quand on utilise ça parce que ça permet de. Moi, tu vas rayer le. Bah, des fois, on prend le couteau et on enlève un peu pour que ça. Que ça s'enlève de décoller et ensuite on prend ça et on met en dessous et ensuite on enlève et ensuite on retourne et ensuite on prend la crêpe et on la met dans une assiette et ensuite on met du Nutella à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez mettre de la banane éventuellement. Ah. Et ensuite vous pliez et ça fait une bonne crêpe. C'est bon, vous avez enregistré ou non? C'est bon? Sabrina alias Albert Einstein. Vas-y, refais la technique. On attend. On va utiliser la spatule parce que l'appareil, il est magnifique. Ce n'est pas moi, it's not me. Ce n'est pas moi, it's not me. Toi là, toi, you. Voilà, moi, me. Ce n'est pas moi. Et lui? Lui, he. Waouh. C'est juste ça. Him. Lui, c'était him de Brahim. Brahim. Bon, la première crêpe, vous savez Birahim. Toujours qu'elle sort pas super bien belle. Pyramide. Parce que sans faire exprès, j'ai fait des bons petits trous. Et maman aussi. Bon, mais tu sais que, apparemment. J'entends le bruit quand on est sur les vitres. Quand maman fait. D'accord, ok, d'accord. D'où tu le sors? Voilà, donc notre première crêpe. Hop, pardon Sabrina. Hop. Non, elle n'est pas super belle. Je suis pas super contente du contenu. On en fait une deuxième. Allez, elle n'était pas ratée finalement. On va la faire pour Sabrina, la première crêpe. Avec de la banane, maman, si tu peux. On est parlé du repas là. La banane, je sais pas trop si. Hein. Oh, j'aime bien la banane quand même. Oh, louloute. Non, je suis pas louloute, moi, ça c'est sûr. Allez, celle-là pour Sabrina, on envoie la deuxième, les amis. La crêpe, la pâte à crêpe, super. Sabrina est en train de la déguster. Voilà. Là, je la laisse refroidir un peu. Ah, ok. Et là, maintenant, on finit avec. Brahim. On va prendre la Maryse. Donc, la Maryse. Ok, la Maryse. D'accord. Et on va vider les blancs d'œufs, Brahim. Je peux le faire? Ah, bah, tu vas faire le faire. Allez, vas-y, c'est parti. Et du coup, là, je donne quoi? Bah, tu remues avec ta truc. C'est trop bizarre. Ouais, on dirait une flottante. C'est ça.
En parallèle, on va brancher. Je dirais de la mousse à raser. T'as pris mon récipient. L'appareil, et il disait de mettre avec un pinceau un petit peu d'huile sur l'appareil pour pouvoir que les gaufres ne se... Bon, j'ai enfin goûté ma crêpe, excellente. Excellente, tu confirmes? Ouais. Nickel, parfait. Perfecto. Perfecto. Voilà, donc on va aussi en mettre un peu là-haut, je pense. Excellente la crêpe. Je la redis encore une fois parce que c'est trop bon. Voilà, là je pense qu'on est bon. Tu penses, t'es pas sûr. Ouais, et toi t'en es où? Moi j'ai bientôt fini moi. Je t'aide? Oui, vas-y. Hop, on va racler bien les trucs. Est-ce que je pourrais faire un truc avant? Qui est vraiment trop bien. C'est mettre le composant dedans. Allez, alors il faut attendre qu'il soit bien chauffé, on va le mettre sur 5. 5, c'est bien 5. Ouais, je pense que c'est bien, que c'est la limite. Eh ben c'est nickel 5. Allez, c'est parti, on continue avec Brahimou. Alors, tu en mets un peu de partout là, vas-y. D'accord. Non, chef Brahim, bien sûr. Il faut tout mettre d'un coup, Brahim, parce que là, l'appareil est en train de chauffer là. D'accord. Je prends une grosse louche. Allez, allez. Bam, d'un coup comme ça. C'est bon là? Je suis pas sûr que c'est bon, mais on va dire que oui. Bam, bam, on recouvre un petit peu tout. Voilà, on essaye de pas laisser d'espace, je pense. Voilà. Comment je t'en fais un peu, moi? Non, non, je vais. On croise les doigts. Ça dégouline un peu de partout. Je pense que t'en as trop mis. Je pense. La prochaine fois, faudra en mettre. C'est pour ça que je l'ai mis sur la plaque de manière à ce que. Voilà. Alors moi, même ça dégouline de partout, partout, partout. Je commence à avoir des petites bulles et je crois que ça va être chopé dans une seconde. Je commence à avoir des petites bulles. Pas les gros. C'est très pas bon signe. Je suis confiante, eh, au moins on vous a pas menti. Pas moi. Les petits trucs de dernière minute, ben ça arrive. Ok. Je crois que c'est bon, non? C'est non. Mis en vert. Ben non, c'est orange et vert, donc à mon avis. Ouais, c'est rouge et vert, non? Mais là, quand j'observe, c'est plutôt joli, hein. Et en plus, vous savez quoi? C'est en forme de. Pourquoi? Parce que mois de février, il y a aussi la Saint-Valentin. Ça m'a l'air plutôt... Pas mal. Réussi! Attendez, vous rigolez ou quoi là? Non, franchement, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Nickel. Oh, je peux pas venir. Et après, là, tu coupes les petits cœurs. Regardez, c'est en forme de petit cœur. Parce que c'est pas trop réussi, moi. Bah, tu rigoles ou quoi? Elle est trop belle, ma crêpe, ma gaufre. En fait, on la gaufre de Brahim, pardon. Allez, tiens, Brahim, continue. Qui a fait un massacre. Chef Cuistot, Brahim. Elles sont trop bonnes. Je vous ai dit que même si on n'est pas doué, même si on n'est pas doué, avec les recettes de. Comment il s'appelait, Brahim? Hervé Cuisine. Hervé Cuisine, ouais. Franchement. C'est nickel. C'est difficile à rater quand même. La pâte, elle est trop bonne. En fait, quand c'est chaud comme ça, j'aime bien mettre le Nutella dessus. J'y vais rajouter effectivement des bananes. Oh oui! Mais tu sais que là, maman, t'as mangé des gaufres. T'as mangé une seule. T'as mangé. Deux. Quatre, cinq. T'as mangé une gaufre. Cinq gaufres. Une gaufre pour toi qui aurait pu vous servir pour. 5 personnes. Waouh, mais franchement, cet appareil, il est magique. T'as vu? En deux. Effectivement. Il faut juste... Non, tu vas rayer la machine comme ça. Franchement, c'est parfait. Et ben, encore un petit peu quand même. Parce que le dessous n'est pas totalement...
Franchement, c'est parfait. Rien à dire. C'est magnifique. Vous validez les enfants? Ah bah bien sûr qu'on valide. Bon, nos aventuriers, vous avez fini. On peut voir tout le why qu'il y a derrière. C'est ça. Vous avez fini vos crêpes et vos gaufres. Mmh. Et du coup, ben, place au goûter. Brahim, qu'est-ce que tu as mis dans ta gaufre? Alors, du Nutella, de la banane, des petites étoiles blanches au chocolat blanc et de la praline. Mmh, t'es un gourmand, toi. Et toi, Sabria? Sabria, elle est fan des crêpes. Hein. Vous savez, tous les vendredis, en sortant du kiné, c'est crêpes à lunch. Et là, oui, c'est crêpes à la maison. Du coup, qu'est-ce que tu as mis dans ta crêpe? Ben, des mini meringues. Comme vous le voyez, des petites meringues. Avec des petites étoiles au chocolat blanc. Et du Nutella et de la banane. Oui. Bon, les recettes de gaufres, franchement, je suis fascinée par les gaufres. Elles sont vraiment, vraiment très moelleuses. Belles. Très belles, trop bonnes. Voilà, donc je vous recommande la recette de Hervé Cuisine, c'est ça? C'est ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Allez, bonne dégustation les enfants. Merci. Moment de joie pour nous. C'est un moment de joie? Ah oui. Donc moi j'ai mangé un peu des deux, hein. J'ai mangé une crêpe et j'ai mangé une partie de gaufres et je les ai trouvées très bonnes. Bon, mes crêpes, je suis fan. Et les gaufres de Hervé Cuisine, magnifiques. Du coup, aventures, les aventures, si vous voulez encore plus d'aventures, abonnez-vous et likez. Déjà, ciao, ciao. C'est trop bon. Crêpe, c'est trop bon. Et si vous voulez plus d'aventures, abonnez-vous et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Un gros commentaire. Ça nous fait plaisir. Et bye bye. Bye bye tout le monde. Ciao. Ciao les aventuriers. Ciao les gourmands.